J'espère que vous êtes super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pas pour quelque chose forcément qui va vous plaire, mais on s'est senti obligé de vous en faire une vidéo parce qu'aujourd'hui Vava a quelque chose d'important à vous expliquer. Avant de commencer, le petit pouce bleu comme d'habitude la famille, je compte sur vous. Merci à toutes les personnes qui le feront. Partagez la vidéo également à tous vos potes, c'est très important. Et suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux. Et puis nous on vous dit bon visionnage. Tout simplement, c'est vrai que vous êtes assez nombreux à me demander sur les lives de faire la voix de bébé. Vous avez été nombreux aussi à être déçus parce que je vous ai expliqué que je pouvais pas le faire. Et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi. Alors en fait ce qui se passe, c'est comme ça me l'avait déjà fait il y a plus d'un mois. Et je savais pas ce qui se passait. En fait si vous voulez, j'ai très mal à la mâchoire. C'est pour vous dire, j'arrive même plus pratiquement à l'ouvrir tellement que ça me fait mal. En fait... je vous avais expliqué aussi que, en gros, pour faire la voix bébé, il fallait que je déplace en quelque sorte ma mâchoire pour arriver à faire cette voix de débile. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à force de le faire, vous allez me dire, mais c'est complètement con. En fait, à force de le faire, et ben, elle s'est fait mal à la mâchoire. Je me suis blessée. Et j'ai très mal à la mâchoire, donc c'est devenu compliqué pour moi. Alors, elle n'est pas en train de vous dire que la série est terminée sur la chaîne. Bien sûr qu'on va en refaire. Voilà, bien sûr qu'on va en refaire des vidéos comme ça. Ça c'est sûr et certain, c'est une série qui nous plaît, c'est une série qui vous plaît. La petite voix de bébé c'est devenu mythique sur la chaîne Duo. Donc bien sûr on va pas arrêter ces petits sketchs, tout ça. Malheureusement comme elle a dit, bon voilà c'est un peu en pause. Allez, on peut en pause. Ouais, j'ai pas envie de forcer. C'est plus un bébé de 4 ans en fait, pour vous expliquer. Tout simplement voilà, parce qu'elle a un problème à la mâchoire, ça lui fait une douleur au niveau de la mâchoire, je crois au niveau de là, c'est ça? Ouais, là. Voilà. Donc bah voilà, c'est comme ça. Malheureusement quand elle le fait, quand elle fait sa petite voix, elle est obligée d'avancer un petit peu sa mâchoire, enfin je sais pas... Ouais, genre de faire... Ouais. Ah ouais, j'ai pas envie de le faire, ouais. Ça me rend mal. Bref, voilà, t'as compris. Non, en gros, ça, en fait, si vous voulez, ça me fait comme un élastique et genre, il est prêt à péter quand j'ouvre la bouche, donc ça me fait très mal. Ouais. Ouais, je peux pas le faire. Bon. J'espère juste que vous pouvez comprendre et je pense que vous pouvez comprendre que, en fait, je vais pas me forcer. Déjà, rien qu'en parlant normalement, ça me fait mal. Je vais pas me forcer à faire ça, sachant que la dernière vidéo que vous avez vue, on l'a tournée il y a déjà 3 jours de ça et que, en gros, j'avais déjà mal à cette période-là et en fait je continuais, je m'étais forcée pour faire cette vidéo et je me suis rendu compte que ça empirait la chose. Donc en fait j'ai pas envie de me forcer et me faire du mal et conduire à ce qu'en fait la série s'arrête complètement parce que je pourrais plus le faire. Là aujourd'hui ça m'empêche de faire plein de choses, je peux plus limite manger comme je veux, je peux pas ouvrir la bouche comme je veux. Donc je vais pas me forcer et je reviendrai quand ça ira beaucoup mieux, mais je pense que c'est une histoire de quelques jours. Voilà, c'est juste pour vous dire qu'en ce moment il y en a beaucoup qui se posent la question sur les lives. Ouais bah va, fais-nous ta voix de bébé. Bah va, elle vous répond non bien sûr parce que bon, Meskin elle a un peu mal, tu vois. Des fois, justement, je le fais inconsciemment et ça me fait mal, tu vois. Voilà. Des fois, elle le fait, hein. Des fois, elle me dit. Juste. Ouais. J'ai pas envie de tester, j'ai pas envie de tester. Bref. Du coup, voilà les petits potes. N'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo qu'on a sortie justement avec le petit sketch du bébé. Parce que, comme Vava elle vous a dit, c'est une vidéo qui a été tournée il y a plusieurs jours, la famille. J'ai besoin de vous aussi dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas à nous donner des idées de sketch en avance pour le bébé de 4 ans. Des idées de caméra cachée dans la rue, des idées de. Je sais pas, de canular téléphonique aussi. On faisait des canulars téléphoniques avec sa voix. Donc n'hésitez pas à nous donner des idées dans les commentaires. Comme d'habitude, c'est toujours bon à prendre pour nous. Et on reviendra en force avec. Voilà, et c'est toujours aussi bon pour vous justement. Bon voilà les potes, c'est un peu tout ce qu'on avait à vous dire. J'ai trouvé important de vous le dire en vidéo quand même, parce que vous êtes nombreux quand même à kiffer mon petit bébé de 4 ans quand même. Et voilà, là elle est un petit peu malade entre parenthèses. C'est comme ça les potes et pas autrement. On va revenir en force, vous inquiétez pas. Avec mon bébé de 4 ans, je pense que vous le verrez même pas sur la chaîne, juste au niveau peut-être des lives. Et là en ce moment peut-être qu'il y en aura moins sur la chaîne, mais vous inquiétez pas, on va revenir en force. On va vous proposer plein de vidéos. Bref, voilà les potes, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Je vous le dis chaque jour, mais c'est vraiment très important en ce moment. Et puis même pas, c'est même pas qu'en ce moment, il y a des très gros bugs de notification. Je vais pas vous faire un dessin, il y a vraiment des bugs de tout sur YouTube. Donc suivez-nous sur les réseaux sociaux parce qu'il y en a qui loupent les vidéos de la journée ou qui loupent les lives le soir. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Snapchat, sur Instagram et sur Facebook et sur Twitter, de partout les potes. Franchement, au moins vous êtes au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne. En tout cas, je vous remercie vraiment de nous avoir écoutés les potes. Désolé, mais c'est comme ça. Voilà, c'est des petits... On appelle ça les petits tracas de la vie. Voilà. Après, voilà, ça va durer comme elle a dit. En fait, voilà, la dernière fois que ça m'était arrivé, ça avait duré quoi? 2 semaines. Là, c'était beaucoup, mais... En 5-10 jours, je pense que ça va passer, ouais. Je pense en 5-10 jours, ça va passer. Du coup, voilà, les potes, on se retrouve comme d'habitude ce soir pour un nouveau live. Je compte sur vous pour être présent aussi. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace!